Good morning, allez, Iden, nous sommes aujourd'hui le Nishmat, Richard Ben Fortuné Mazal, Claude Israq Ben Fortuné Mazal, Adam Miriam Bat Elisa Sayak. Si vous souhaitez vous aussi donner notre chaîne YouTube de Misha, contactez la 5 minutes éternelles. Nous irions à Seretsuka avec Bet Mishnah Chet. Mishnah Zayn. Misha Yarosho Grubo Basuka. Veshulchano Beto Chabait. Bet Shamay Poslin ou Bet Hillel Marchirin. Amrou Laem Bet Hillel Bet Shamay. Je traduis directement, Mishaya Rosho Verubo Basuka, celui qui était assis, sa tête et la majeure partie de son corps dans la souka, une souka relativement petite, en tout cas il a réussi à s'asseoir sur une chaise, il avait la tête et son buste et même un peu une part de ses jambes qui étaient déjà dans la souka, tandis que le reste du corps il était Veshulchano Beto Chabait. Et sa table, elle était tellement petite la souka que sa table elle-même, elle était encore dans la maison. C'est-à-dire en fait, il avait par exemple un balcon et il a laissé la table dans la pièce. Parce qu'elle était trop petite, il avait un petit balcon qui avait une toute petite taille, il a mis la barre botzrach, et comme ça, il s'assoit et il mange assis. Sauf que sa table, elle n'est pas dans la souka. C'est là la problématique. Bet Shamay, Poslin, Bet Shamay invalide une telle souka, ou Bet Hillel marchirim dans le Bet Hillel la valide, il la cautionne, elle est... tu acquittes ta mitzvah de la souka, si toi tu es assis dans ta souka, même si ta table n'est pas dans ta souka. Bet Shamay, en fait, le bâton de rapporte, c'est un interdit, c'est une xéra de Rabbanan. Rami m'ont décrété de ne pas manger dans ta souka et ta table ne reste à l'intérieur du doigt. Pour quelle raison? Parce que de temps en temps, tu vas vouloir attraper là-bas quelque chose qui est un peu plus loin et tu vas te mettre à manger alors que ta tête, elle est rentrée dans la maison, tu ne manges plus dans la souka. Donc, pour ne pas arriver à cette situation, on a dit, tu mets ta table dans ta souka. Ok? Sur ça, on rétorquait Bet Hillel à Bet Shamay. On voulait lui rapporter une histoire qui s'était passée avec les grands sages de l'école de Hillel et l'école de Shamay. Amrou lahem Bet Hillel le Bet Shamay. Lokachayemase, n'est-ce pas que c'était ainsi que s'était résolu, que s'était passé cette scène, que Shealchou Zikne Bet Shamay et Zikne Bet Hillel, qu'ils étaient partis ensemble, les Zikne Bet Shamay, les vieillards, les sages de l'école de Shamay et les sages de l'école de Hillel. Les vakers Rabbi Yochanan ben Achorani. Éveil Rabbi Yochanan ben Achorani, il était chez lui, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il était malade, qu'est-ce qu'il avait. Ils sont partis lui rendre une visite chez lui à la maison, pendant Soukhot. Et ce qui s'est passé, c'est que en arrivant chez lui, ils ont trouvé qu'il était dans la souka, c'était Soukhot. Ou Metzahou Shaya Yoshev, Verosho Verubo Basuka. Il était lui-même assis et sa tête et son corps étaient majoritairement dans la souka, Veshulchano Beto Chabait, tandis que sa table, elle était encore dans sa maison. Velo Amroulahem Davar. Et il y avait là-bas les grands de l'école de Shamay et les grands de l'école de Hillel. Ils sont tous partis ensemble pour rendre visite à Rabbi Yochanan ben Achorani. Ils ont vu qu'il était assis dans une souka. Et lui, ils lui ont rien dit. Même si sa table, elle était à l'intérieur de la maison. Donc, preuve que la souka est kshera. Amrou lahem Bet Shamay, ils l'ont rétorqué, Bet Shamay, à Bet Hillel, ils lui ont dit, Misham Raya, de là-bas tu me prouves? Afhem Amroulo, bien sûr qu'ils lui ont dit. Même eux, ils lui ont dit, Imken Aitanoeg, ils l'ont rétorqué comme ça en disant, Imken Aitanoeg, si tu te conduisais depuis toujours comme ça, en laissant ta souka, ta table de ta souka à l'extérieur de ta souka, sache que Lokiam ta mitzvatsuka miyamecha, de ta vie t'as jamais accompli la mitzvatsuka comme il fallait. Parce que finalement, tu auras toujours le décret de Rabbanan, quand ils ont dit, tu ne manges pas toi dans ta maison et ta souka et ta table dans ta maison. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.